Mais dans le fond, je me suis fait approcher par le coach du moment. Dans le fond, quand moi, j'étais en secondaire 5, il est venu me voir, puis il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait. Fait que j'ai visité, puis dans le fond, ça me tentait vraiment beaucoup. Fait que je suis venue. J'ai eu la chance d'avoir le poste cet été. Il y a eu quelques remaniements et changements au niveau de l'encadrement. À la base, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de discipline, mais dans le fond, je pense que ça vaut vraiment la peine avec l'ambiance, avec les filles. On est vraiment comme une petite famille. Entraînement 5 fois semaine, plus au minimum un match par fin de semaine. Là, on en a eu 2 cette fin de semaine-ci. Ça demande beaucoup de concessions, pas forcément au niveau des coachs, même si effectivement on rythme notre vie un petit peu à la fréquence des entraînements, faut qu'on soit disponible pour nos joueuses. Mais je pense que vis-à-vis des joueuses, c'est beaucoup de concessions dans la mesure où elles sont aussi étudiantes. Donc c'est un aménagement de l'emploi du temps. Puis c'est aussi des choix dans la vie sociale, la vie personnelle, puisque le sport prend beaucoup de place. Donc, mettons, ailier ou poste. Donc, je suis comme pas parmi les plus grandes, mais parmi quand même les grandes. Ben aujourd'hui, je suis contente. J'ai quand même bien joué. C'est sûr, je suis déçue de la défaite. Ça représente pas nécessairement, dans le fond, le score, la véritable partie. Fait pour ça, je suis déçue, mais personnellement, je suis contente de me lancer rentrer. Donc, c'est un point de plus. Aujourd'hui, on a joué contre le Cégep de Montmorency. Ce sont les tenants du titre au niveau sur le plan national. C'est une équipe qui, l'année dernière, a fait un excellent parcours. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elles sont restées invaincues tout au long de la saison sur le championnat. Puis là, aujourd'hui, on a eu l'honneur de les recevoir ici à Édouard et dans mon petit. Puis on n'a pas à rougir sur ce deuxième match, étant donné qu'on a beaucoup de blessés, on a eu très peu de profondeur au niveau des rotations. C'est vrai qu'à la fin, on a manqué un petit peu de carburant, d'énergie, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a fait quand même une bonne performance. Nous, on a quelques recrues, donc on est en début de cycle, en fait. L'équipe se construit cette année. Je pensais que ça allait être une très très grosse partie parce que justement l'an dernier, Montmorency était très fort puis ils nous ont donné beaucoup, beaucoup. Nous, moi j'étais pas là, mais on a donné beaucoup de misère aux Lynx. Et puis on dirait qu'on était pas prêts, mais qu'on était quand même sur nos gardes, tu sais. Plutôt que d'être des agresseurs, on était très défensifs, très, très calmes si on veut. Puis finalement, ce qu'on aurait dû faire, c'est qu'on aurait dû les attaquer parce qu'eux étaient très nerveux. En tout cas, on l'a senti sur le banc, en tout cas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que justement, on a eu cette dynamique de jeu-là pendant tout le long. Puis à la fin, je sais pas si vous avez remarqué, au troisième quart, on s'est rendu compte qu'on pouvait beaucoup plus dominer. On a fait un run, qu'on appelle, une remontée, environ peut-être 7 points. Et puis, on avait les devants. Et puis, comme ça a été la game qui s'est jouée comme ça, là, jusqu'à la fin. Il y avait 3 points d'écart, je pense, à la fin. Coach une équipe de 10 recrues cette année, donc seulement 2 vétérans dans l'équipe. Puis une équipe très excitante que je pense qui mérite le déplacement. Là, que, comme on a vu aujourd'hui, une défaite par 3, mais que les jeunes hommes ont travaillé très très fort pour un groupe de recrues. Ça va payer à long terme. Après Noël, notre objectif ultime, c'est les éliminatoires, puis surtout qu'ils sont à Édouard-Montpetit cette année. Donc c'est une longue saison, c'est 16 matchs. Donc l'étape 1, c'est de rentrer dans ces championnats-là. Donc c'est un long processus. 16 games, il en reste 14. Puis là, une défaite par 3 aujourd'hui est dure à avaler, mais il faut penser déjà à la prochaine.